Bonsoir, bonsoir les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle aventure sur le serveur monocompte Draconeros. Je sais, il y en a beaucoup de gens qui aiment ce genre de vidéo. Moi les gars, perso, j'adore voir ce genre de vidéo sur YouTube, donc je sais, ça va plaire beaucoup de monde. On va commencer vraiment à zéro, j'ai rien du tout. Je vous explique les gars, le but de cette aventure, c'est seulement de faire des camas. On s'en fout des quêtes, on s'en fout de notre niveau de personnage. Bon, ça sert à rien de refaire toutes les quêtes que j'ai déjà fait sur mon personnage principal, le SRAM. Les gars, j'ai plus de 15 000 succès, j'ai fait tous les Dofus, donc ça sert à rien de refaire tous les quêtes. Par contre, on doit faire les quêtes forcées, genre les quêtes pour aller du monde, les quêtes pour aller à Automa et tout. C'est des quêtes forcées, tu dois le faire pour aller à ces zones là. Donc voilà la petite explication. Bon les gars, d'ailleurs on est plus de 30 likes sur les dernières vidéos, je ne sais pas, une des dernières vidéos les gars. Donc le tirage sort de 1 million de kamas, ça sera à la fin de la vidéo. Donc voilà les gars. Bon, je ne sais pas quoi choisir, je pense que je vais faire le Feka les gars, j'aime bien le Feka. J'ai jamais joué Feka dans ma vie les gars. J'ai joué un petit peu de Yop, j'ai joué un petit peu de Kra. Et c'est tout les gars. Après j'ai choisi le SRAM et c'est tout les gars. Je joue le SRAM plus de 10 ans. Putain, plus de 10 ans je joue que le SRAM. J'ai jamais joué d'autres classes. Enfin, j'ai un panda tank. J'ai OP un panda tank quand j'avais rien à faire sur le jeu. J'ai OP juste un panda tank. Sinon, j'ai jamais joué EK. J'ai jamais joué FK. Bon les gars, j'aime bien le FK. Franchement, j'aime bien le FK. Comment on change le sexe les gars? Je ne sais pas. Je veux bien un homme. Comment on change ça? Attendez les gars, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas changé de classe, donc je ne sais pas les gars. Voilà c'est là. Donc voilà, un FK homme, j'aime bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres classes à choisir? Bon, je pense j'aime bien le steamer aussi, le perma j'aime pas, Zobal j'aime bien, le panda non, Illutrope je suis nul, Sadeda pourquoi pas, franchement pourquoi pas, le Sadeda j'aime bien, Roblard je suis nul, et l'Exel je connais pas, je suis nul aussi. Donc allez, on va choisir le FK les gars. Comme je disais les gars, le but de cette aventure c'est de faire des kamas. On va directement faire des kamas, on s'en fout des quêtes et tout. Comment on change la couleur les gars? Comment on fait choisir cette classe? Ah voilà, le skin, on va choisir le skin rapidement. Non c'est nul. Ça c'est bien, j'aime bien, franchement ça j'aime bien. La couleur c'est noir, j'aime bien le noir. Ah non, attendez juste 2 secondes les gars. Le visage non, les cheveux c'est noir. Bon, on s'en fout. Ça c'est noir, tout ça c'est noir les gars. Ok, ça c'est noir et ça c'est noir. Bon les gars, ça a l'air moche. Attendez juste 2 secondes, ça je vais le mettre comme ça. Ça c'est quoi ça, les cheveux, je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Ça a l'air nul hein. Franchement ça a l'air nul les gars. J'ai pas bien aimé, donc on va changer juste. On va mettre ça. Les bottes c'est rouge peut-être, je ne sais pas, c'est blanc. Allez, on va mettre mon. Bon les gars, ça a l'air un personnage de bottes. Franchement ça a l'air un personnage de bottes. Je suis nul en skin les gars, franchement je suis super nul. Donc je ne sais pas quoi faire. Attendez juste 2 secondes. On va juste. Oh, pas mal, franchement pas mal. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je laisse le truc comme ça. On va l'appeler Odin. J'aime bien Odin. Odin, c'est un personnage de God of War Ragnarok. Donc Odin.
ou bien Old Father, je vais l'appeler Old Father, j'aime bien Old Father. Allez, on joue, bon, ça existe déjà, Odin, Mimir, ou bien Mimir, j'aime bien Mimir, le personnage de Garvar. Non, Mimir, Wisdom, allez, on va dire ça, on va l'appeler comme ça, les gars. Allez, on commence le jeu tout de suite. Bon, on va directement, les gars, à l'HDV, des ressources. On va checker combien ça coûte, les ressources et tout, les ressources incarnant. On va juste passer ça. On va passer tout ça, les gars, on s'en fout. Si tu commences le jeu, je vous conseille de faire les 4 Incarnam, sinon c'est t'as déjà fait les 4 et tout, juste passe le truc, on s'en fout. Oui, on va directement, les gars, à l'HDV, des ressources pour checker les prix et tout, et après on va farmer quelques mobs, les gars, pour OP niveau 10. Après on va à Incarnam, enfin à Astrobe. Il est où l'HDV? Attendez juste 2 secondes, les gars, je check. Voilà, il est là. C'est où? Voilà, un seul map et on est bon. On va juste enlever ça. Donc, les gars, on est sur Draconeros, serveur monocompte. Je ne sais pas l'économie ici. Demandez avant de l'acheter un objet. C'est où, les gars? C'est où l'HDV? Attendez. Ah, voilà, je suis con, les gars. Désolé, je suis con. Donc, donc, on va checker les ressources. On a quoi? Les ailes, je crois, ça coûte cher. Hein? Les ailes du Pew, un truc comme ça. Attendez. C'est où? Non, c'est pas ça. 2 secondes, les gars. Les ailes de... je ne sais pas, ça s'appelle comment, attendez juste 2 secondes, les gars, on va à la Link LPD rapidement. Voilà, ça coûte combien? Bon, ça coûte rien, ça c'est combien? Oh, pas mal, presque 200 000 km à l'unité, franchement pas mal. Ça c'est combien? Ça c'est pareil. Bon, on va checker la forêt. Juste 2 secondes, les gars, on est où, hein? On est où? Incarnam, juste 2 secondes, les gars. Incarnam, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas commencé le jeu, donc doucement, les gars. Voilà, les champs, on a quoi? Ça coûte combien? Ça coûte 100. Ça c'est combien? C'est pareil. Les pieux, voilà, ça coûte cher, je crois. Voilà, 600 000 kama. 600 000, voilà. Bon, les gars, on va directement farmer les champs pour faire quelques kamas et pour opé notre personnage niveau 10. Bon, c'est la base, les gars, tu dois faire ça. Il n'y a pas genre d'autres trucs à faire. Quand on opé niveau 10, les gars, on va à Astro. On va rentrer avec lui. Bon, il accepte, c'est gentil, c'est bien. Ça lag un petit peu, désolé, les gars. Bon, les sorts, par contre, les sorts, je ne sais pas. Est-ce que j'ai droppé? Yes, les gars. En plus, j'ai droppé une amulette aventure. Bon, les gars, je pense que je vais farmer un petit peu. Je vais farmer un petit peu les pio et tout. Et on se retrouve après 15 minutes, 20 minutes. Donc, voilà, on se retrouve juste après. Re, les gars, donc voilà, j'ai droppé pendant 15-10 minutes là. Donc j'ai droppé quelques trucs intéressants, je vous montre rapidement. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Par contre, les gars, j'ai l'impression que je hope vraiment pas. Par contre, j'ai pas mes stats et tout. Bon, les gars, j'ai pas des encore, mais je pense que je vais mettre un FKR. Franchement, ça tape vraiment bien, pardon. En plus de ça, tu peux détacler les mobs et tout. Franchement, j'aime bien. Mais pour l'instant, je ne sais pas, les gars, est-ce que je vais mettre tout en sagesse pour bien OP? Puisque vraiment, les gars, j'ai l'impression que je OP vraiment pas. Je suis niveau 4.
les ressources, regardez les gars, on est presque 10 000 kamas, ça fait vraiment plaisir. 10 000 kamas les gars, c'est vraiment beaucoup quand tu commences le jeu. On peut même faire les rachats, revente et tout, ça sera vraiment cool. Par contre, 33 kamas les gars, c'est chaud, franchement c'est chaud, on peut pas mettre tout ça. Donc bon, bon les gars, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets tout en sagesse ou pas? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. J'ai l'impression, j'ai expérience. Bon, allez, je vais le mettre. Allez, je vais le mettre en sagesse, les gars, on s'en fout. De toute façon, on peut changer tout ça après, donc c'est excellent. 15. Oh, 5 seulement, putain, c'est rien. En plus, j'ai pas le niveau pour mettre tout ça, donc c'est un petit peu chiant. Est-ce que on peut mettre quelques trucs, les gars, dans des... On va checker si on peut mettre quelques trucs rapidement. On a quoi là? Bon, rose, tournesol et tout, on s'en fout un petit peu. J'ai enlevé les gars de Hop Niveau 10 pour aller à Astrobe. Donc, hôtel devant, des ressources. Tout ça, ça coûte rien les gars, donc ça sert à rien de les farmer et tout. Devant des ressources, est-ce que on peut mettre quelques trucs là par exemple? Putain, 7000, regardez les gars, ça coûte 7500 les 10, franchement c'est excellent. Est-ce que déjà on peut mettre ça? 1085, oui, très bien, on peut mettre 10. Allez, on va mettre 10. Bon, on n'a pas les karmas pour mettre d'autres, mais c'est déjà ça les gars. Donc on continue les gars, je vais continuer de farmer un petit peu les pios, bien sûr ça donne beaucoup de karma et tout. C'est non, attendez les gars, je réfléchis un petit peu. Bon les gars, maintenant j'ai juste envie de Hop Niveau 10 pour aller à Astrobito pour accéder à la banque et tout, donc je ne sais pas. Après on peut farmer les pieux, ce sera vraiment cool, ce sera vraiment cool les gars. Bon, pour l'instant les gars, je vais continuer de farmer les pieux ici à Incarnam. Ça donne beaucoup d'XP, enfin beaucoup d'XP, j'expère rien, mais ça donne des kamas et tout. Donc franchement, je vais continuer les gars de farmer les pio et tout. Quand je Hop Niveau 10, on se retrouve juste après quand je Hop Niveau 10. Voilà. Re les gars, regardez, je viens juste de mettre les poutres de Parlapimpin. J'ai vendu les 10, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression les gars que le serveur est vraiment pas genre peuplé. Puisque quand tu crées un compte, ou bien quand tu crées un personnage sur un nouveau serveur, tu trouves genre élevé, moyen. J'ai trouvé moyen sur le serveur Draconeros, je ne sais pas. C'est, il n'y en a pas beaucoup de gens, ou je ne sais pas les gars, franchement je ne sais pas. En tout cas ça a l'air vraiment moyen, mais bon on s'en fout, on est là pour faire des kamas. Bon les gars, je vais XP et on se retrouve après. Re les gars, donc voilà, j'ai décidé d'aller à Astro. Franchement les gars, c'est super long à XP ici. Je suis niveau 5, franchement les gars c'est horrible. Regardez, ça donne 63 d'XP. Franchement, c'est nul. C'est archi nul. Donc, j'ai la flemme d'XP ici. Donc, on va XP à Astro. On va choisir seulement un PO, les gars. Bon, on peut le faire. Franchement, on peut le faire. Allez, on se retrouve à Astro. Re les gars, donc voilà. On est à Astro. Je vais juste accepter ça. On va sauvegarder le zap rapidement et après on commence l'XP les gars sur les pieux. J'espère ça va bien XP. On va choisir seulement un pieu les gars, sinon c'est mort. J'ai 75 PV, voilà, c'est bon pour le zap. Allez, on va à l'HDV de ressources. Normalement il y en a des pieux et tout. Attendez, voilà, un PO les gars, ça donne 1500, voilà, ça c'est bien les gars, franchement, ça c'est déjà bien. Par contre, je crois que ça tape de loin, hein.
Franchement, les gars, je crois que ça tape d'une main. J'espère que je suis pas mort. J'espère que je suis pas mort. Oh, 25, ça va, franchement, ça va. Est-ce que je me rempars ou c'est pas la peine? Ça réduit rien. 8, les gars, ça réduit 8. Je crois que je vais juste taper. Hein. Je crois que je vais juste taper. Bon, allez, les gars, on tape, on s'en fout. Normalement, ça va le faire. Ça tape du 18. Bon, les gars, c'est facile, voilà. Donc, je crois que je vais hop. Hein. Voilà, ça, c'est bien, par contre, les gars. Ça, c'est XP bien. On est quoi? On est niveau 6, donc je drop quelques trucs. Bon, c'est pas ouf ouf, mais bon, c'est déjà ça. Je vais accepter tout ça. Voilà. Je vais mettre sagesse. Je blinde la sagesse, les gars, pour hop niveau 10. Après, de toute façon, on peut restart et tout, donc c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Allez, on change le truc. On change la map. Donc, niveau 6. Je vais hopper niveau 10, les gars. Pour au moins dropper quelques kamas pour mettre tout ça en vente et tout. Je crois on peut faire le succès PO. Ça donne des kamas et tout. Donc, j'espère que ça va donner des kamas assez pour mettre tout ça en vente. On va choisir le succès. Raser les mains. Tous les combattants alliés doivent finir leur tour. Oh non, 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 non. Obstacle. Non, je ne sais pas. Non, 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 les gars. Je vais faire prudent et. Et c'est bon. Les combattants ne doivent jamais finir leur tour. Ok, ça c'est facile. On peut le faire. Oh, beaucoup de PV. C'est con, les gars. Franchement, beaucoup de PV. Donc, je peux que détacler clairement. C'est vraiment cool le mode air, les gars. Ça vole l'agilité et tout, donc franchement c'est ok. Voilà, on est fait les gars, on a fait le challenge, c'est excellent. Donc je crois on hop ou pas. Yes les gars, on hop. On a fait 2000 points d'expérience, c'est vraiment cool. Donc on a droppé quelques trucs. Ok, ok. Je vais encore mettre en sagesse jusqu'à le niveau 10. Après on peut changer, donc c'est vraiment ok. Bon les gars, je vais hop niveau 10 et on se retrouve juste après. Re les gars, donc voilà voilà, on est enfin niveau 10. Je vais juste mettre tout ça en agilité, je crois. Allez, on va mettre en agilité. On peut juste mettre ça, je crois. Voilà, allez, on va mettre 6 en agilité. Ah merde, allez, on va restart. On va mettre tout ça en agilité. On s'en fout, les gars, on s'en fout vraiment. Voilà, comme ça, on va taper très très fort. Donc, on a accédé à Havresac. On s'en fout un petit peu. Voilà, on a quelques panoplies. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, on va accepter tout ça. Ça, c'est quoi? Ok, ok, ok. On sort les gars, allez, on va en banque pour récupérer notre karma. Donc on a 1000 karma je crois en banque. Donc les gars, comme ça on peut mettre ce que j'ai là en ressources, en HDV. On a presque 12000 karma, c'est vraiment top. Donc j'espère que ça va suffira pour mettre tout ça en vente. Allez, on va mettre tout ça en vente, les gars. Je crois je vais faire une petite pause, les gars. Le temps de vendre tout ça. Après, je vous montre des astuces Kama pour les nouveaux joueurs et tout. Ça sera vraiment cool, les gars. De toute façon, vous allez voir tout ça après. Ça, les pioches chimériques, c'est 7000. Ça, c'est vraiment cool, par contre. 10... je crois on est bon, hein. Je crois les gars on est bon. On peut mettre tout ça. 6, 8, 4. Ça c'est fait. Ça part 10, ça coûte rien. 8, 9, 1. Je crois ça. Je crois ça part bien ça les gars. Je ne sais pas, mais apparemment on peut hopper bijoux et tout. Franchement c'est cool, c'est cool. Ça va partir très très vite, j'ai l'impression. On va mettre tout ça. 1000 8 3
ça c'est fait. Sinon, les autres, bon, on a 11 000 kamas, les gars. On a presque 12 000 kamas. Donc, voilà, les gars. Je vais faire une pause, une petite pause. Et après, on se retrouve. Voilà, on se retrouve juste après. Re, les gars, donc voilà, ça fait une heure, un truc comme ça. D'ailleurs, les gars, j'ai pas précisé, je suis abonné. C'est le même compte de SRAM, donc forcément, je suis abonné. Bon, mais c'est pas grave. Tu peux juste abonner une semaine pour je ne sais pas, les gars, combien, 5 euros. L'essentiel, c'est facile à abonner, les gars, sans aucun problème. Bon, bref, allez, ça fait, comme je disais, les gars, une heure, un truc comme ça, ou même pas, je ne sais plus. Donc, à mon avis, je trouve, les gars, les ressources toutes vendues, puisque des ressources, les gars, forcément utilisées pour OP les métiers et tout. Donc, à mon avis, ça sera tout vendu, mais on verra. J'avais, les gars, presque 12 000 kamas. Même pas, les gars, 1 000 kamas. Putain, c'est moche, hein. Franchement, c'est super moche. Donc, je dois, les gars, changer les prix. Forcément. Ça, c'est combien? Voilà, je dois changer les prix. Putain, c'est chiant, hein. 7, oui, les gars, mon bonbon, c'est pas grave. On va changer les prix. C'est comme ça, 8, 7, 6, ça c'est fait. Les plumes chimériques, on a combien? 7, 4, 8, 4, ça c'est fait. 1, ça c'est combien? 6, 7, 5, voilà les gars, donc on a 800 000 kamas, enfin 800 000 kamas, on a 800 kamas. Donc bon les gars, j'ai envie de faire le succès PO. Franchement, j'ai envie, voilà, de faire le succès PO. Attendez, on va trouver un bon groupe là. Déjà, on a... attendez, juste, on va checker d'abord. Il ne reste quel PO à faire. Succès monstre. Attendez juste 2 secondes, les gars, les PO. PO. Voilà, vaincre les PO et tout. Il ne reste PO rouge et PO jaune. Et on doit open niveau 15. Donc, PO jaune, PO rouge, on va le faire. On va à cette map là pour trouver les PO et tout. Donc, jaune et vert, c'est ça. On a le rouge. Attendez, j'ai oublié, les gars. Je suis con, désolé. C'était quoi? C'était juste 2 secondes, les gars. Ça lag. Le rouge. Et le jaune, voilà, on est bon. Donc le rouge et le jaune. Oh yes les gars, on a vendu les 20 pétales diaphan, donc ça fait plaisir. Il ne reste que les plumes chimériques, donc on est bon. Allez, je vais faire le succès nomade. C'est facile à faire, franchement les gars, c'est super facile, puisqu'on vole l'agilité, donc on doit être bon. Parfait. Donc je détacle toujours, ça fait vraiment plaisir. Ça c'est mort. Il ne reste le jaune, les gars. Le jaune, et ce sera bon. Rose, vert, violet, non. Ça c'est non. On gère pas forcément. Allez, on va changer la map. Est-ce qu'il y a le jaune ici? Bleu, vert, non. Il n'y a pas de jaune. Bleu, rouge, vert, violet, non. Toujours pas, les gars. Le jaune, on ne trouve pas vraiment. Attendez juste 2 secondes. Normalement, on est bon. Non, toujours pas, les gars. Toujours pas. Bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. De toute façon, en attendant les gars, on doit OP un petit peu pour voilà, en attendant que je vende tout ça. Donc il ne reste les plumes chimériques. Ça doit partir très vite normalement. C'est où, voilà, on a le jaune, mais je crois que je gère pas, hein.
Non, les gars, je gère pas. Bon, les gars, je vais faire une pause et on se retrouve juste après. Bon, les gars, donc voilà, j'ai trouvé un petit jaune, mais il y en a trois. Ça doit être difficile. Est-ce que je gère? C'est une map distance, les gars. Normalement, je gère. Bon, allez, on va tenter. On s'en fout. C'est on lose ou pas. Map distance. Ça joue après. Bon, je vais tuer ça. Online, ok. Bon, les gars, je dois clairement faire rempart. Sinon, c'est dead. Je crois que c'est dead. Hein. Barricade, invulnérable, on mêlé. Je crois que c'est dead, les gars. Franchement, c'est dead. Non, c'est dead. Je gère jamais. Oh, ça tape rien. Ça tape rien, les gars. Peut-être ça doit passer. Mais putain, je tape rien. 10. Putain, c'est mort. Ça, c'est dead. Ça, c'est dead, je crois. Après, je le tue. 20. Non, c'est mort. C'est mort, les gars. Non, je gère pas 3. C'est trop. En plus, ma corps à corps, non. C'est dead. Bon, les gars, je vais chercher un jaune et on se retrouve juste après. Bon, les gars, j'ai enfin trouvé un pieu jaune. Il est où? Il est juste là. Attendez. Voilà. Allez, mais putain. Allez. Yes. Ah, merde. Il est où ce con, putain? Voilà. Mais putain, les gars. J'ai super la flemme de faire mode transparent et tout, donc voilà. On a le jaune, donc on doit faire le challenge. C'est facile, normalement c'est super facile. Bon, je tape un petit peu mieux, les gars, puisque j'ai mis quelques trucs là. Donc cap de pieu vert, double anneau ici, ça donne rien, mais bon, mieux que rien, les gars, mieux que rien. Donc 22, j'ai pas envie de fail le challenge. Donc c'est ok, on a fait le challenge pieu, ça c'est très très bien. Donc le challenge pieu c'est fait, les gars. Je vais récupérer les kamas en banque et on se retrouve juste après. Bon, les gars, donc voilà, on a presque 3000 kamas, donc on va récupérer tout ça. Voilà, 3700. Tout ça, les gars, après on va briser tout ça. Bon, c'est pas maintenant, bien sûr, juste après. Donc on a 10, ça coûte rien. Tout ça, ça coûte rien. Bon, on s'en fout. Bon, les gars, j'ai l'impression les prix sont changés encore une fois. Donc on va changer tout ça. Attendez juste 2 secondes, les gars. On a quoi? Il y en a beaucoup de gens, les gars, qui farment les plumes du chimérique. Donc c'est pour ça on doit changer les prix chaque fois. Donc pour des, c'est bon. L'unité, par contre, on doit changer juste un petit peu ça. 7, 3. Voilà, les gars. Donc on a pour 8800. 3700, bon, c'est pas ouf. On doit clairement vendre tout ça. Donc on doit attendre, les gars, un petit peu. Je vais XP pour le moment et on se retrouve après. Bon, les gars, donc voilà, j'ai OP niveau 15. Donc j'ai eu le succès PO, donc c'est très bien. Par contre, les gars, je viens de rendre compte que quand tu commences un combat, il y a un truc de challenge là, les gars. J'ai tout à fait oublié, les gars, j'ai oublié. Donc c'est pour ça que j'ai XP vraiment pas bien. Donc j'étais en mode drop, donc c'est pour ça. Franchement, je suis con, les gars, j'ai oublié. Donc voilà, j'ai OP niveau 15, les gars. J'ai farmé un peu de tout, j'ai farmé quelques bouffes tout, j'ai farmé dans la forêt et tout. Donc voilà, 500 XP, c'est vraiment cool. 12000 par contre, 500 Kama et 12000 XP, c'est vraiment sympa. Donc on est niveau 16, ça fait vraiment plaisir. Donc à propos des Kama, on a 4200, franchement c'est bien.
Par contre, les gars, j'ai la flemme d'acheter un panoplé, enfin une panoplé, puis ouverte et tout. Bon, je pense, les gars, je pense, je vais acheter une full panoplie puis ouverte. Après, on va dropper chez les arachnes et tout, les arachnes, mosquitos et tout. J'ai pas checké les prix en HDV, mais je crois que ça coûte un petit peu cher. Donc voilà, les gars, je vais acheter une panoplie puis ouverte et on se retrouve chez les arachnitos en temple de Sram, je crois, et Sadeda. Allez, on se retrouve juste après. Re les gars, donc voilà, j'ai enfin vendu une plume chimérique, presque 700 000 kamas, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, je suis en train d'acheter la panoplie, j'ai tout acheté. Normalement j'ai tout acheté, il me manque l'anneau, donc on va mettre l'anneau, voilà. Je vais enlever ça pour mettre ça. Donc voilà, on a la full panoplie. Ça donne quoi? 3 dommages, bon, une portée, bon, pas mal, franchement pas mal. Donc il me reste les gars 3500. Donc allez, on se retrouve pour farmer l'arachnito. Donc on se retrouve juste après. Re les gars, donc voilà, au passage j'ai trouvé une arachne et un mosquito. Donc allez, pourquoi pas, on va tester ensemble directement. Ça a l'air très fort hein. J'espère on gère, sinon j'ai la flemme de refaire tout le passage et tout. Je vais placer ici. Lorsqu'un combattant est lié, tu aimes plusieurs ennemis et il doit finir son tour sur la case. Non, allez, je vais utiliser un PM. On casse pas la tête trop. J'espère qu'il tape pas de loin. Hein. J'espère qu'il tape pas au moins deux, putain. Aïe, putain, je suis con. J'ai raté le challenge. Je suis vraiment con, les gars. Par contre, on doit changer l'XP à drop. J'ai oublié de changer ça. Par contre, je tape bien. Hein. Franchement, les gars, 44. Je tape plutôt bien, pardon. On a aussi le glé. Franchement, on est bien. J'aime bien. J'espère que c'est 3 PA. Yes, les gars, c'est 3 PA. Donc, je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Et c'est dead, les gars. C'est dead. On gère, franchement, les gars. On... Moins 63, putain, les gars. Ça tape pas. Hein. Franchement, ça tape. J'aime bien. Vraiment, les gars, j'aime bien. Bon. Oh, je tape rien. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça tape de zéro, les gars. PTDR, ça tape de zéro. Allez, toi, c'est mort. Est-ce que on drop quelque chose? Bon, l'exp. Oh, pas mal. Franchement, on drop pas mal. Regardez, presque 1000, les gars. Putain, la patte d'arachne. Presque 1000 l'unité. Ça fait vraiment plaisir. Les ailes de mosquito, 200. Bon, pas mal, franchement. Pas mal les gars, vraiment pas mal. Donc voilà, je vais continuer de dropper les arachnes et les mosquitos et on se retrouve juste après. Re les gars, donc voilà, normalement j'ai 10 pattes d'arachne, donc j'ai droppé 3 directement, plus quelques trucs là, la braquena quoi, je ne sais pas quoi. Donc allez, on va faire la dernière les gars, allez, on va faire le dernier combat avec vous. Normalement j'ai 10 arachnes, pas d'arachnes, voilà, donc ça coûte combien ce truc? Bon les gars, j'ai fait un petit combat avec un mec sur les crackleurs, donc j'ai droppé quelques trucs. Sinon les gars, voilà, j'ai 10, 8000 kamas les gars, presque 9000 kamas. J'ai 4 îles de mosquito, bon ça coûte rien. Tout ça les gars, ça coûte rien. Allez, on va faire la dernière, enfin le dernier combat. Je vais commencer ici. On va faire le challenge E-list. Donc on doit kill ce truc en premier. J'aime bien le glyphe les gars, c'est super cool. Le glyphe agressif là, ça tape très très fort en plus. Vous allez voir. Ah merde, j'ai fait le challenge. Putain, je suis con les gars. Je rate toujours les challenges. Je suis vraiment con. Donc ça c'est mort et ça c'est mort les gars, donc c'est super facile, voilà. Alors je drop quelques trucs, oui les gars, je drop une patte d'arachne. Donc voilà les gars, allez, je crois on va s'arrêter là, on va mettre tout ça en vente avec vous. Bon les gars, je vous montre rapidement, je suis niveau 18, j'ai farmé un petit peu l'arachne dans cette zone là, temple de Sram plus le temple de Sadeda. Il se trouve juste en bas. Attendez, je vous montre.
Voilà le temple de Sadeda. Donc tu peux farmer ces deux zones-là pour les pattes d'Arak. Donc on va à Astrobe pour mettre tout ça en vente. Donc j'ai 3000 kamas sur moi, cash. C'était Astrobe. J'ai vendu une plume chimérique là, je crois. Donc j'ai 600 000 kamas. Enfin 600 000 kamas, c'est 100 kamas, voilà, 600 kamas. En banque, donc on va mettre tout ça en vente les gars, et on va s'arrêter là pour la première épisode. Donc est-ce que j'ai vendu quelques trucs? Non, malheureusement toujours pas les gars. Je dois encore changer le prix, putain c'est chiant hein, c'est super chiant. 398, ça c'est fait. 6, 6, 5, ça c'est fait. Ça va jamais se vendre, je crois. Là, les gars, plume chimérique, c'est super chiant à vendre. Pourtant, il y en a beaucoup de craft à faire niveau BL pour OP limité et tout. Mais bon, je crois que ça part par unité, ça part pas par 10. Bon, les gars, allez, je vais enlever ça pour les mettre en unité. L'unité. Voilà, je vais mettre tout ça à l'unité. Je pense que ça va partir plus mieux. Voilà les gars, c'est excellent. Excellent les gars, parfait. Donc ça part mieux à l'unité. Franchement, j'ai vendu 3 directement. Ça fait vraiment plaisir. On a quoi dit? On a les pattes d'Arak à 8000. Putain, 8000. Je crois que ça part en 10. Je crois que c'est mieux en 10 les gars. Attendez, 4. Oui, je crois on dit ça part les gars, ça part. Voilà, on a la teinture magique sombre et tout. Donc je vais le mettre on 10 directement. 10, 8, 8, 8, 9. Parfait, on a 14 000 kamas. Je vais mettre à l'unité 8, 5, 5. Je vais mettre quoi d'autre? Bon, rien, ça coûte rien. Ça coûte combien? Rien. Ça rien, les îles de mousquetes, bon, pas mal de 7, 2. Voilà, sinon, les gars, les autres, ça coûte rien. Bon, je crois on va s'arrêter là. On a, les gars, presque 20 000 kamas. La prochaine épisode, on va commencer l'astuce kamas. On va commencer les achats, reventes et tout. Donc, voilà, voilà, les gars, pour la première épisode. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la série et tout. Donc voilà voilà les gars. Par contre les gars, je trouve le FK est vraiment vraiment cool en BL. T'as les sorts à 3 PA, t'as les sorts qui tapent en zone et tout. Franchement j'adore, franchement j'aime bien. Donc voilà les gars, pour la première épisode. Allez, on se retrouve maintenant au tirage du sort de 1 million de kamas à gagner sur le serveur TDZR. Les gars, donc voilà voilà, c'est le moment de tirage de sort. On a 9 participants, c'est bien pour les participants, donc tu as beaucoup de chance à gagner. Voilà, regardez bien votre nom les gars, s'il te plaît. Les gens qui ont déjà gagné, MP-moi sur le jeu ou bien MP-moi sur mon email, comme ça je peux avoir le message. Je mettrai mon email dans la description. Juste dis-moi que tu es connecté et tout. Voilà voilà les gars, allez on lance directement le tirage au sort. Et le gagnant ça sera, aïe aïe aïe, le suspense les gars, le gagnant ça sera qui? Le gagnant ça sera Tupac. GG à toi mec, s'il te plaît, si tu regardes la vidéo, MP-moi sur email ou bien sur le jeu quand tu veux, pour vous donner Kama le plus rapidement possible. Sinon je suis souvent connecté, je suis Abrakmar HDV équipement à gauche. Donc voilà, sinon envoie moi un email les gars, juste dis moi que tu es connecté et tout. Je mettrai mon email dans la description, donc je vais juste copier votre nom. Donc voilà voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.